Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Boza, le bienvenu na GKM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes. Boye imalamu na kati ya plateau des éclairés, émission Debout Congolais. Na pesibino matondo pona fidélité na bino, merci mingi pona confiance na bino. Bo renouvelaka chaque fois na émission na bino Debout Congolais ba éclairer nyonso ya mokili mobimba. Boye ba ete samba olonga mi makabino na motema. Ya mbo émission ebanda boye malamu ki hymne national na ngai ezalaka ko rappeler na bino ete justice ya Nzambe ezalaka pe moto moko te échappaka na contrôle nango. Soki oko échapper na contrôle abiso bato na mukili, Nzambe ba échappaka ete salaka kaka malamu parce que biso nyonso tokoleka na esambiselo. Mabe yoza ko salaka soko futi yango te na se ya moyo yoyebango ke même dans l'au-delà, tu finiras par payer les prix de tes actes. Alors ko mibenga yankete, comme bien nga nope malin te parce que dikolo ya ba effort na yo oyo zali ko sala pona ko monela bato mukili, il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi, il y a quelqu'un qui est plus malin que toi. Tika ko le kisatango, racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà l'actualité qui nous réunit aujourd'hui. Premièrement est essentiellement basé na ba murmure topé biloba loba oezali ko uta na ba médias étrangers, médias internationaux concernant ba propos ya Jean-Pierre Bemba tenu par rapport ya entourage ya président Félix Tshisekedi. Wana ezali maloba euti na journal Jeune Afrique kotalisa ete Jean-Pierre Bemba azalaki mingi kotungisama pona makambo etali entourage ya président Félix Tshisekedi koloba ete entourage na ye bazali na expérience te. Expérience ezali mingi te. Et il en a parlé avec certains. Oh, bazaba ami na ye, entourage ya Félix Tshisekedi. Il en a même une fois aussi à échanger na ba ambassadeur. Pona kotalisa bango comment le président était si mal entouré. Et ça là qui m'a fait inquiétude. Mais qu'est-ce qui fait que Jeune Afrique aille à rebondir si c'est une vérité ou une fausse alerte? Pourquoi journal Jeune Afrique, revue Jeune Afrique, a poni kaka moment oyo pona kubimisa balégation oyo topé ba propos oyo ya Jean-Pierre Bemba? Qu'est-ce qui se cache derrière cet article oyo ezali na nature ya mabé selon plusieurs observateurs? Est-ce que Jean-Pierre Bemba est-il dans l'Union Sacrée ou bien azali candidat moko à part? Cet article de Jeune Afrique est beaucoup critiqué ba Congolais belé bazali ko tuna na mituna sur loyauté ya Jean-Pierre Bemba vis-à-vis à président de la République. Moussala ou Jean-Pierre Bemba kongi ko sala, quelles sont les ambitions? Que pense Jean-Pierre Bemba? Objectif na ye, ezali nini na Union Sacrée? Est-ce que Jean-Pierre Bemba azali candidat à part na Union Sacrée? Ou bien azali ko joué pe sur survie politique na ye, sur rebondissement politique na ye? Mituna eza ebele bwebi ke biyano. Tozwa kango kaka na analyste osala kana bino. Décryptage ya ba information. Oyo biso tozwaka actualité ya mibale tokolobela wa ezali pe interview ya Adolphe Muzitu moko ya ba opposant oyo azali na position te jusque là azali ni à gauche ni à droite azana nu kotambola na lolenge na ye moko. Adolphe Muzitu azui tant ya ko critiquer baninga na ye ba opposant que bazali na planté bazali kaka ko se basé mingi mingi na makambo o ezali résistance
programme penda fixe ces alités na makambo bango bazali ko sala. Donc il n'y a pas de crédit na oyoyo bloc ya Moïse Katumbi tope bloc ya bato basangana ki na katanga bazali ko sala ya zali ko mona crédit na ngote par rapport à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo a gardé position na pour na koloba ki il faut to sala la guerre contre les Rwanda s'il faut annexer toi annexer Rwanda et koma ya biso. Donc, tout ce qui est par quatre chemins, la seule façon pour nous de mettre fin à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est que la force régionale est EAC parce que la mission est de la clarté pour engager la guerre na Rwanda. Et puis, pour nous, qui sommes dans le monde, à Talisiété, dans l'Italie, ma ponomie, tout ce qui est malembe malembe vers glissement. Glissement, c'est que ça a été. Batu basangana pona kota la gouvernance ko salima ndenge nini transition ekoki ko salima pona ko organiser ba election nini ekoki ko ya en tout cas ya za ko mona que peu importe façon au senior zali ko s'activer possibilité zali penda te ke maponomi e salima na délai soki salami na délai en tout cas ekoza la election moko bâclé. Nous allons revenir sur ces propos d'Adolphe Mouzitu pour parler de son avenir et ses opinions. Yamisatu ezali communiqué ya Senko na SCC. Basali communiqué na bango balobi bazali ko tenir na audit externe ya fichier électoral dans les délais convenables tout en étant profondément préoccupé par la controverse constatée ces derniers temps autour de l'audit externe du fichier électoral. Wana ezali do magiko bino boyebi ya Senko na SCC. Bango bazali beaucoup contenir na likambo etali audit externe interne te mais externe, c'est-à-dire bato bauta libanda pona koya ko auditer makambo oyo ezali ko salema na CENI. Yango bango bazali ko insister nango mingi pour la crédibilité de l'élection et notons que il y a encore jusque là une frange de l'opposition oyo bango ba lobby bango kende l'élection te tant que fiché électoral ezali révisé te ezali refondé te il faut qu'on bande la fiché nyonso pour que crédibilité ya l'élection ezala wana ezali sujet na biso ya misato pour na kosukisa. Renseignement militaire na biso ya République démocratique du Congo etie maboko na réseau moko ba ya ba criminels économiques ba ou ba opéraka na Sud Kivu bakangi bango na 22 kilos ya or bazalaki présenté bongo na ba membre ya gouvernement central ministre ya finance ministre ya justice pe azalaki ministre ya mine pe na quelques membres ya gouvernement provincial. Nous parlerons aussi de cette activité oyo vraiment renseignement na biso ezali ko sala ezali ko kata musala o ezali ko permettre yete Kagame azala na loboko na RDC pe ba réseau moko criminel et continuer côté kaka wolo tope ba richesse mususu ya République démocratique du Congo de manière clandestine wana ezali bongo actualité naza ko aborder na bino sika sika awa na cadre ya émission na biso debout congolais yo mutoza kotala ngai soki ezamba na noa liboso awa na mungongo ezali mwana mboka Samba Olonga soko za koluka kombo ya solo ezana na sa etando na yo ndenge boza komona régi balobi ke ba kombo wana eza mike il faut ko agrandir ngo mike pona caractère ezala munene et puis voilà. Tozongi pe lisusu na bino bato yo bokoti na fami muneno tobengaka debout congolais boyeba yango ete wana oza kosabone okomi membre permanent ya conseil de sécurité te membre permanent ya debout congolais baabone nyonso baza actif te communiqué na bino eza kosenga ete bose manifeste tomona ba commentaire na bino ete ya solo penda boza kolanda émission debout congolais depuis ville mini ya République démocratique du Congo depuis mboka nini à travers continent africain Amérique pe mukili mobimba bozali kolanda émission debout congolais longonya na bino félicitations bokomi
ba membre ya famille de Bou Congolais tombola bende le siko zoami émission de Bou Congolais et sili bongo ko banda songi songi biso to kanzaka ezala kaka ya basi ndenge batikala kana banda kutope ya mibale mususu pe ba sosiasha kana bango pona ko beta ka songi 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 we panzaka batu eza pe na monde politique batu balingite soki ye azali ko combattre kingandi amona yope ozali ko s'associer na kingandi wana bakuluka bacha bino mwa nungu nungu na kati pwete lisangana bino eka bwana awa pese introduction wana ezali par rapport a sujet ali bosona anonsaki na sommaire article moko bandeko mususu bakomelinga balobi eza article bidon samba olonga article oyo elingo laksanini Jean-Pierre Bemba azali na Tshisekedi to azana Tshisekedi te keba tokoya kozwa ba mauvaise surprise yango bomoni na en actualité oyo en premier lieu. Tout d'abord tout commence par un article bato boza abonné na Jeune Afrique bokoy ko retrouver article wana ya Jean-Pierre Bemba. Jeune Afrique a sali brossé tableau moko ya comportement ya Jean-Pierre Bemba. Premièrement, bango batali ici de manière synthèse l'article na bango que Jean-Pierre Bemba qui a été dans l'opposition contre Félix Tshisekedi qui a fini par répondre à l'appel de l'Union Sacrée et qui aujourd'hui est dans l'équipe du gouvernement nommé par Félix Tshisekedi azali mutu moko azali ki ko critiquer ma proche collaborateur ya Félix Tshisekedi. Il en a parlé avec certains collaborateurs ya président Félix Tshisekedi kota les sabango était inexpérience, manque d'expérience ezali mingi na bato oyo bazali ko entourer président Félix Tshisekedi. Et lokola lobaki na ba ami na ye oyo bazali na entourage ya président, il en a eu aussi à parler, il en a parlé aussi avec quelques ambassadeurs na ba chancellerie mususu ya kota ka diskita ki pe na bango autour ya réalité wana. Et à part cela, Jeune Afrique azali komona ke Jean-Pierre Bemba n'est pas vraiment entré dans l'Union Sacrée comme batunyo so bazali na kati ya Union Sacrée azali mutu moko azali na politique na ye à part. Tout d'abord azali mutu oyo azali ko rebondir politiquement après plusieurs années d'absence oyo akokaye ko sala politique activité entrée wana ezali ko permettre ye ke a rebondir politiquement, c'est-à-dire à se faire sentir encore une fois, à regagner opinion batu balobela lisusu kombo na ye. C'est ça ce que Bemba voit. Maintenant, où est le mal dans tout ça? Batu bazali ko mitungisa maba musu balobi ya voilà, parce que quand on voit les positions prendre ça, batu yo bazali derrière Moïse Katumbi, batu yo bazali ba opposant Félix Tshisekedi balobi ya voilà, Jean-Pierre Bemba oyo bazali ko kanisa azana Félix Tshisekedi azana ina Félix Tshisekedi te. Recherchons la vérité, où se cache la vérité. Tout d'abord, commençons par Jeune Afrique. Pour la nini, Jeune Afrique a poni un moment si précis pour parler de Bemba. Est-ce c'est parce que Azam nommé ministre de la Défense? Est-ce que c'est parce que Andimi qu'on s'allier na Félix Tshisekedi pe ko kota na gouvernement? Parce qu'il a fallu faire profil bas pour que Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président à l'époque à Joseph Kabila, Andima, Kokota na gouvernement, Oyo Ezali Kokambamana Sama Lukonde, un jeune, comme ministre ya défense. Certainement, pour certains, il a fallu un degré d'humilité. Mais au-delà de l'humilité, certains savent que Jean-Pierre Bemba profite aussi de faire une entrée, bien que Félix Tshisekedi, à la fin de son mandat, mais pour Jean-Pierre Bemba, c'est une façon aussi de marquer de ses empreintes pour regagner aussi l'opinion publique. Parce que les gens n'ont plus quelque chose de neuf. Et là, il y a ce qu'il y a Bemba et Zawapi. Tu as vu Bemba en 2006, Bemba ou Bemba qui Igwe. Ou ya Nyingisa qui Kinshasa. Ou ya Baloba qui a gagné à l'élection. Le Bemba qui a fini à la CPI. En tout cas, bah, souvenir est aucun de plus en plus lointain. Le Bemba d'aujourd'hui. Pour Aza la classer, à côté de la Katia, jeu politique, qu'est-ce qu'il lui faut? En tout cas, certains analystes pensent que Jean-Pierre Bemba
rapprochement naie kokota naie na gouvernement ezali pe pour se refaire une santé politique. Sikoyo awa jeune Afrique aponika ka momo yo je bemba asalier na Félix Tshisekedi. Po apesa naie vérité naie oyo bango babomba ki bandaka la ke bemba a critiqué l'entourage de Félix Tshisekedi. A lui que l'entourage Tshisekedi est entouré de gens incompétents, inexpérimentés. Et il en parle partout à Zakokende. Mais ce que je veux dire, c'est que qui n'a pas critiqué l'entourage de Félix Tshisekedi? C'est du connu. Même si je peux critiquer l'entourage du président Félix Tshisekedi, qui est président, il y a un entourage, en tout cas, il y a un comédien, il y a un oyo. Baza qu'on méritait qu'on entouré yo qui n'en a pas parlé. Est-ce que c'est de nouveau? Parce que ceux qui même les aient à solo, nous on suppose parce que jusque là bato baza n'a pas preuve y a pas dire y a bemba. Ce n'est que Jeune Afrique, un média français où on peut acheter un article. Ceux qui osent les rouler en besoin au son article Jeune Afrique a tekaka. Bah comment lui magamo yo lingo koma. Bah inventer français n'engue bah inventer kawana. C'est du connu. Si quoi y a mo biso toza ko mituna. Est-ce que oyo ce qui a solé Bimina Munoko, Jean-Pierre Bemba, et c'est pour toute la première fois, c'est le premier Congolais à le dire. Le président de la République, d'ailleurs, tout le monde qui est entourage, n'a pas été critiqué, qui a tout le monde qui est basé à la porte, a libéré Bango, Bazana Babisika Kokende, Bamusuba Longoli, Longoli Bango. Le président est en train de se défaire. Et lui-même, le président de la République, l'avait même clairement dit qu'il est obligé de réduire les membres du cabinet. Il a répondu à cette préoccupation-là. Makambo Bemba Lobaki, Soki Bemba Mutalobaki Ango, Jean-Pierre, je pense que plusieurs Congolais aussi en ont parlé. Il n'y a pas de secret dans cela. Ce qui vient en Afrique, c'est sur base de ça que les gens doivent se focaliser. Pona Kokabwana, non, là ça ne marche pas. La deuxième chose, il y a un complot, parce que le complot, ils ont ébélé, pour le complot, à la veille des élections. Les Européens, les Français ont pour politique l'isolement de Félix Tshisekedi. Objectif nango bazalaki nango ezali que batoyo bazali ko représenter soit ba région, ba leader oyo ba koki ko bouger ba région, il faut ba isoler Félix Tshisekedi. Créer encore une plateforme oyo bango ba kozwa ba Congolais ba venant de toutes les provinces ba inir bango contre Félix Tshisekedi, un peu semblable na lolengo ba sala ki makamu ya lamuka o eza la base ya division ya certains Congolais, parce que les Congolais intacts oyo ba yebi histoire ya mboko oyo ba koko se laisser traîner te na ba vent moko tribaliste ezali na sens te se ko zo ko maîtriser histoire ya Congo te. Donc comprenons que l'idée derrière cet article qui crée sensation na kati ya barélé na biso ya ba réseaux sociaux na certains médias congolais, ils allient de nature ya ko créer frustration na kati ya opinion. Batu oyo bazali na confiance à Félix Tshisekedi et que bayambi malamu kokota ya Jean-Pierre Bemba na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde oyo Félix Tshisekedi eza kotambola na vision Félix Tshisekedi, batu wana babanda kozala frustré, babanda kosatake na Bemba que Jean-Pierre Bemba n'est pas avec Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba c'est un traître, il a ses ambitions politiques a yende na kati ya union sacrée avec l'intention de nuire tout suite au biblo kwana. Bemba n'est pas un enfant, même si cela aussi était encore vrai. Poto yeba ke mutu nyonso azaka na ba calcul politique na ye tango aza kokende, mutu nyonso azaka pe na ba intérêt na ye. Toboyi te Jean-Pierre Bemba a aussi ses intérêts, parce qu'intérieurement, avant de faire un pas, tout le monde se demande qu'est-ce que je gagne, et surtout que c'est en politique. Mais aller créer psychose pour lobby nango ezala onote bato ya union sacrée baza kotelemela Jean-Pierre Bemba, population baza kotele mais la Jean-Pierre Bemba za traître, ça c'est une frustration qu'on est en train d'inventer quelque part na batu oyo babongi sami po na ko divisa ka batu Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba. Donc ezalaki malamu Jean-Pierre Bemba zongi la katumbi, ezalaki malamu Vital Kamerhe qui sortait de prison akende ko rejoindre ba katumbi. Basa la plateforme moko wana mutema ba français ekiti. Mais comme Jean-Pierre Bemba est avec Félix Tshisekedi et que la coalition
la plateforme Union Sacrée qui vient d'être créée et ça les sensations jusqu'à tel point que na opinion ils allaient majoritaire et ça qu'on s'imposait ma casse na opinion, il faut créer maintenant des occasions, il faut créer des stratégies pour nous diviser les Congolais. Chers frères congolais, pour moi, je vais vous compléter plusieurs émissions, les émissions précédentes, comment on est en train de se servir de certains Congolais pour nous diviser. Awa barele balobi bino bokanisa ki Jean-Pierre Bemba za na Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba za na agenda na ye, Jean-Pierre Bemba zo sala bo. Bemba au moins s'est expliqué quand il est entré dans le gouvernement lobi, ngai na koti c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Na ye na cadre ngai na yeli, na ye te parce que il faut que ça la ba calcul. Non, na moni nécessité, Tshisekedi a de la volonté de vouloir changer les choses. Nous devons aider aussi dans ce sens-là étant patriotes. Et dès que nous avons sorti à l'Union Sacrée, il a répété ses mêmes propos. Et c'est ce que nous avons dit. Donc, chers frères congolais, l'article bido est causé à l'ébélé. En tout cas, ma stratégie est causée à la mingi. Outre les médias, il y aura des gens qui seront payés pour nous diviser. Parce que la plus grande stratégie qu'utilise l'Union Européenne, les Occidentaux, pour avoir la mainmise dans ce que nous faisons, ou bien la mainmise sur le Congo, c'est de nous diviser. Et nous devons savoir déceler qui sont ces gens-là qu'on utilise pour nous diviser. Quels sont ces médias-là qui publient de fausses informations pour déformer la réalité, pour manipuler l'opinion publique? Les médias français, les médias qui peuvent s'accréditer. RFI, France 24, Jeune Afrique et tout ça. Ce sont des médias où ils sont venus œuvrer pour l'intérêt de la colonne en haut. L'objectivité dans l'information n'existe pas. Ils ne gagnent pas leur argent que Bissomoto Zali qui foutent à Bangonde et au Sombaka Jeune Afrique. Non. Certainement, il y a des articles, ceux qui déjà aux Alliés n'ont esprit moko aiguisé. Quand aux autres, même s'il y a des faussetés dedans, ils peuvent élargir. Vision à you. Mais dans l'ensemble, ce business-là est fait pour nous aveugler davantage. Qu'on soigne à l'image à bactères politiques s'ils veulent s'acheter, qu'on détruire l'image à Bamoussoussou au nom des intérêts, il y a Baïta na Bango, où ils allaient utiliser Bango. Donc, comprenons que dans ma gamme d'Italie, Jean-Pierre Bemba, il n'y a pas de souci à se faire. Il se peut que Jean-Pierre Bemba allait moutou, l'obipé à Koki Kopé Salikanisnaïe to Moussoussou. Mais pour ce moment, ce qui se passe à travers ces médias-là, ce sont des faussetés. Ils allaient biloko moko campagne moko bazali ko créer contre l'Union Sacrée. Ils ne veulent pas bazana besoin basi ba yebi que tu sais que du par favori. Avec ce qu'il a créé là, le Congo est en train de s'unir, ba congolais bazali ko s'unir autour d'un idéal. Et c'est comme ça lorsqu'on est ensemble que ces gens-là inventent. Donc, par conclusion, cet article, wana, ils allient article moko bidon, où il faut tout ça dans la poubelle, comme tant d'autres articles écrits par Jeune Afrique. Bato basi ba yebi, baza déjà au moins averti. Sangoyami balé, ils allient makambo mwana mboka Adolphe Muzito. Fumu pa soki ba benga ka fumu pa alobi. En tout cas, interview na ye asalaki na Jeune Afrique a pécipé o ezali moneli ya makambu na ye. Ezali pe ko aider biso to sa ilango analyse to yeba entre gauche na droite, est-ce que vision moko équilibrée ezali. Mais avant d'entamer, je vous laisse d'abord suivre ça et puis nous revenons. Totalement éparpillé. Alors c'est une élection, je le rappelle, à un tour. Est-ce que, à cause de ce que je viens de dire, la messe n'est pas dite et l'élection, la réélection de Félix Tshisekedi d'ores et déjà claire? Oui, bon, la question de l'opposition ne se pose pas en termes d'unité, unité pour gagner les élections. Mais gagner les élections, pour quoi faire? Moi, je crois que la force d'opposition doit être constituée
par l'unité de l'opposition autour d'un programme alternatif qui permette... Un candidat, mais qui est porteur d'un programme issu du consensus, d'un rapport de force ou des échanges ou d'un débat entre acteurs de l'opposition. Mais ça présuppose que cette opposition se définisse plutôt comme alternative plutôt que comme simplement une force de résistance. Dans notre pays, on a toujours considéré l'opposition comme étant une force de résistance et qui tire sa légitimité dans la protestation, dans la contestation plutôt que dans la proposition d'un programme alternatif pour changer le Congo. Est-ce que votre rupture claire, consommée avec Martin Fayulu n'est pas la preuve quand même qu'il va y avoir de la concurrence face à Félix Tshisekedi? Est-ce que vous considérez, lui, dans son entourage, on pense que vous avez voulu rompu parce que vous voulez passer un deal avec Félix Tshisekedi? Quelle est votre réponse? Non, je veux passer un deal avec Tshisekedi. Tshisekedi est en train de faire ses alliances ou ses recrutements. Mais par contre, M. Martin, lui, il est dans une alliance en perspective avec les anciens. Monsieur Katumbi, c'est un ancien de l'Union sacrée. Il a élaboré les lois électorales que nous contestons, avec Martin Mena. Il est avec lui. C'est pour combattre ce que Martin, plutôt Monsieur Katumbi aura fait. Et les autres qui l'entourent, Monsieur Matata, c'est un ancien. Makanisi Bolandi, Mwana Mboka Adolphe Muzitu, concernant Oyo opposition Bazalaka na Congo. Programme nini opposition bazanango. Topé ezali nango kaka contestation. Est-ce que batouana bazali ko composer opposition congolaise? Bazali batou oyo bazana crédibilité. On pense que Adolphe Muzitu azana yena position te ni Tshisekedi ni nani, parce que chez Tshisekedi a bousculé ba couloir, on ne sait pas si le moment venu a kokota pe na mulongo, parce que abandaki pe kalavio yo ba vio boza na couloir botika pe via kota inyo sacré za kapolele azoluka place ya munene ou bien za ndengeni. Donc pour Adolphe Muzitu, oyo opposition baza ko sala wana za sans avenir, parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas de programme, vous critiquez, boza ko critiquer mine Muzitu akoli hein. Vous êtes quand même muté mon mabé et changez la pète, mais muté mon mabé pe à un moment muté ceux qui a singuli pour bon voilà au moment la pète baïdé pe comme une coco clair. C'est le même Muzitu là, je me demande qui avait dit que si Félix Tshisekedi azaka kawana na pouvoir toko créer kawo na mboka insécurité au kozala na mboka toko tala ceux qui a co-dirigé ndengeni. D'ailleurs tu peux si moi total ceux qui ndengeni a co-dirigé bah propos moko ya mabé makas. Il a qui s'agit de mutema ma be oyo mutoza nango, c'est-à-dire mokezika, parce que biso to se retrouver. Aujourd'hui, c'est le même Muzitu qui prêche maintenant, qui donne des leçons avec azo ko pesa na opposition, azo ko pesa na pouvoir. A pesi beloge na tiseke di soka pesi asali malam, a critiquer et si ka waza ko mona mabe. Mais c'est ça même la construction d'une opposition. Opposition l'incolobate que yo obandaka ko contesté, il faut proposer programme na bino ezawapi. Ya ngota ngomizo toza ko loba ki opposition eza ko existé te Adolphe Muzitu aza ko pesa maintenant clarté. Où est l'opposition? Tango boko bandaka ko contesté, mais unité ya programme ndenga aza ko benga ngo programme alternatif ezawapi. Parce que ce qui lelo le bibi sotoya kokota programme nini tokoyana ngo, qu'est-ce que nous proposons? Rien. Bazaka ko baluka ndenge bazaka baluka, et il est allé même plus loin pour démontrer que mais ce Moïse Katumbi azalaki na Tshisekedi loi électorale wana bake ko simba kuna Katumbi pa azalaki na kati wana azalaki na union sacrée tozo baté politique ngo bazo sala ngo na kalite na ndenge ya commerce ou bien za politique ou za vrai. Parce que Katumbi tango Tshisekedi baza ko sala makambo nyonso eza ko sala mana ndenge bazo tshana nani ya seni, Katumbi était dans l'union sacrée. Maintenant qu'est-ce qu'il va dire tango abimi kuna libanda? Parce qu'il va venir prendre le courage makambo nyonso s'il est allé à démissionner. On sous-entend qu'il a participé à ce qui s'était passé et puis abimi kuna lobi que non était comme opposant. Les Congolais doivent comprendre que ce monsieur là n'est pas sérieux d'abord avec lui-même, il n'est pas constant dans ses idées. S'il devait être un opposant, il y a un appel à l'union sacrée. Il y a un appel à l'union sacrée.
c'était aveugler le peuple congolais. Ayaki po à cause de la facilité, à cause de la ministre et de la carte gouvernement, qui a détruit la gestion de Mboka. Donc, opposition, bazana nous prête. Il n'y a pas une opposition au Congo. Même si on a dit que Moussa les a makasi. Mentalité, il faut évoluer dans le sens où on a. Mentalité, il faut évoluer mingi pour permettre que, en tout cas, batuba comprendre ya solo que Moussa est allé mingi à Kosala. Tant que vous avez dit que c'est que ça, ça désavoue même marche où on a planifié. Donc, marcher les 14 heures, il faut se préparer. Mais autour de quoi? C'est une contestation qui n'a pas sa raison d'être parce qu'il n'y a pas un programme précis. L'opposition a du mal à s'adapter. Akei Moussika, on a dit que Makambo Itali élection. Est-ce que l'élection que ça demande à délai à l'objet de s'approcher na glissement wana eza ba propos na yi glissement au toza nango ko se préparer parce que si c'est ni akolinga ko organiser ba élection dans les délais cela veut dire que ba élection ne ko za la ba clé na ba conséquences nyonso au biso to ko yeba ko tirer parce que déjà résultat eza nango connu ba yebi déjà que muta ko gagner ça dit tout le monde a peur parce que loko tozo ka ngomingi. Et ceux qui ont peur, et ceux qui sont mal intentionnés, n'a pas besoin de diaboliser, n'a pas besoin de vérité, parce que si tu sais qu'il dit, a déjà réélu. Alors, il faut tout le monde que l'élection est seulement malam. D'où glissement et gozala, il faut imaginer. Et ça passe pour la bactère politique congolais. Bonsoir, ça et bisibino parce que aza katakata. La vérité est obima. Opposition congolaise est-il qu'on rêve dans le dialogue? Parce que, vu ce qui se passe dans le bateau, les soucis opposants, le souci c'est d'avoir un dialogue. Mais le dialogue est obtenu. À peu de vitesse, il y a une union sacrée à sa petite position. Bino position est en train de se position, il y a contester pour organiser l'élection. Mais le rythme aussi de ça train est démarré. On dit que la tôle, on a télé mis en hausse là, ça sera trop tard. Donc la position donnée par l'Union sacrée est pèse déjà opposition KO debout. Baza obligé na minute où est-ce qu'il doit aller. Et entendre Mouzitu, quelque part son calcul est que glissement. Ah oui. Donc ce qui est un glissement, c'est que le glissement est un glissement. Ah! Calcul est à Congo. Donc, la même philosophie, le même modèle de pensée, c'est que nous continuons. Mais, Bamusuba Lobino, tu sais, transition que vous allez sentir, tu sais qu'il y a. On a besoin de réfléchir à une époque où tu sais qu'il y a Etienne, il y a une transition sans Kabila. Bino peut bosser, vous défiez quand même même langage. Les gens ne se rendent pas compte. Il y aura un soir et il y aura un matin, le Congo va continuer à avancer. Chers frères congolais, distraction est un mingi, mais dans bateau, il faut bagnou comme on a une mentalité na bango. Et pour finir, à l'obligé, makambo Italie guerre ya est, na ba combat Italie makambo EAC, il faut guerre seulement contre Rwanda. Toi engager guerre contre Rwanda, et puis toi annexer bango si il faut. Et à ces salanini à Kendenaï, parce que ça normalement est local obligé de tout envisager comme alternative. Bon, bandakala, Mouzitu a ça le bagage de la guerre, tout ça la guerre contre Rwanda. Il y a aussi des gens comme Adolphe Mouzitu qui soutiennent la thèse de la guerre, tout ça la guerre contre Rwanda. C'est facile de dire na monoko, tout ça prenne la guerre, tout ça la guerre. S'il faut dire la guerre, le Congo. Vu la démographie, vu la position de notre armée, faire la guerre au Rwanda, techniquement, on a les moyens. Mais politiquement, il faut être prudent.
sage même par rapport aux réalités régionales et internationales. Biso tongi to engager guerre na Rwanda. Il faut te ba que Rwanda azaye moko to kobunda na Rwanda yemoko ou bien to kobunda na batu mususu ya makasi biso to kanza to kobunda na Rwanda njoka nde ezaba pays mususu. Comment commencer par faire la guerre, dire à Tshisekedi qu'il y a bande de guerre dans Rwanda pendant que l'armée est infiltrée. Les services de renseignement sont infiltrés. C'est-à-dire, même s'il faut envisager la thèse de la guerre, il faut s'organiser. Et ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, il n'y a aucun des contraires. Même ceux qui veulent la guerre, il faut réformer l'armée salement. Il faut que l'armée ait une stratégie à Sika parce que c'est l'armée la plus vulnérable en termes de stratégie. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de stratégie, besoin de tongo, ceux qui besoin qui na 7h, na 7h30 qui gagne, 7h15 qui gagne à ça une information. Parce qu'il y a certains de vos frères qui sont en intelligence avec Kagame, il y a des Rwandais qui sont parmi nous, qui se disent Congolais, mais qui ont leur cœur, leur âme et leur esprit au Rwanda. Comment, dans ce contexte, faire la guerre? Il y a un travail de nettoyage qui doit se faire de manière systématique pour que intrus oyo va envahir armée na biso, police na biso, service à renseignement babima et puis ça musala ya PTT misunyo so ya ba comploteur ya communauté internationale oyo ba sala ki ke Congo est à l'infiltrer est à l'icolo na biso baza ko landela likambu muke o le tout ils sont menacés o ceci sont menacés bon tant on ndeko muzitu yo lobi il faut faire la guerre au Rwanda. Ah, il faut spécifier kobanda ko fongola ngo clairement procédure ezanini yo lokolo lingi mingi makambo programme programme ezandenge nini poto arriver ko sala guerre na Rwanda tant to zota la bino côté bo uti na passé bo za bato ko pesa leçon te Tshisekedi est entouré déjà inexpérimenté baza compétente oyo boza ko luka ya compétent wana na expérimenté wana baza banani baza ba congolais ya siècle oyo to ya siècle mususu. Et ça, il y a une période où on a toujours eu une classe politique. Donc, quand on critique, on comprend. Mais tu sais qu'il dit qui est tombé comme un agneau entre des loups. S'en sort quand même parce qu'on voit les résultats. Les résultats, ils allaient, même s'il y a beaucoup à attendre, mais tu sais qu'on a un résultat, ils allaient. Mbongo ya Congo, et quand même qu'on a un Akita, oyo mbongo ya Congo, oyo mbongo ya Congo, oyo mbongo ya Congo. Avec celui-là qui est entouré, déjà inexpérimenté. Bon, bino bato et bozala qui est entouré, n'a pas expérimenté, bah professeur d'université, bah chevronné. Quel était le résultat? C'est que, et dans la critique, au bisonnet, bisonna, comme autant, toujours t'as la critique, toujours t'as l'amour, par rapport, il y a résultat. Les résultats de Tshisekedi sont inégalables. Après 18 ans, bah expérimenté, wana, n'a pas chevronné, wana, y a Kabila, bah zawapi. Qui sont ces acteurs politiques là au bazar salité? Tout le monde a suivi à manger, à boire. Non, laissez Tshisekedi souffrir avec ses premiers pas. Azan Zambete, il a fallu tester les Congolais. Azan a bato ba bundagi na ye, bato ba salisa qui est en mazagi na opposition. Et les jeux politiques veulent que tant aux autres comme pour ne pas se créer trop d'ennemis. Bandana non a bato yo otambola kina bango. Maintenant qu'on a testé tout le monde. Tu es bien que maintenant on a libosso, tu sais que tu peux choisir les gens sur base en dinga comme ko yeba bango yebeli bango. Entouré déjà inexpérimenté, mais expérimenté linga ki abandana bango ba ko bandela wapi. Donc comme c'est Adolphe Muzitu soki pona tokoya ko zonga wana, to yeba ngo ke guerre ezalaka facile à engager tes guerres ezalaka kaka te na minduki na bibundeli. Po soki ezana minduki na bibundeli na itaka ka wo tozali. Ceux qui ont engagé guerre dans Rwanda avec quelques patriotes qui ont les Congolais dans leur cœur, Rwanda a résisté. Mais il faut savoir les mobiles de la guerre. Qui sont derrière la guerre? Qui seront derrière le Rwanda? Est-ce que tu as dit la guerre dans deux pays? Tout ça, ça compte. Nous allons arriver à ce point-là. Mais munene bataille munene zali OP tungisi mutu ya Félix Tshisekedi, c'est sa sagesse diplomatique. C'est après cette sagesse là diplomatique et l'organisation qui s'ensuit pour te organiser armée na biso ndeto ko côté le matrobi aujourd'hui maintenant mboka moko esakani na biso to ko attaquer directement. Mais état na bino ezagi non état
Félix Tshisekedi a zana kati ko refonder yango pressé bozana ngo ya moto moto to sala guerre bozala ga ministre proposa ki guerre na kanisi wana ezali suka ya ba propos ya ndeko Adolphe Muzitu communiquer pe boza ko mona wana eza ya SCC na Senko Bango baza ko senga. Donc les communiqués que vous voyez de la Senko ezali concernant audit affiché électoral de manière externe. Donc bango mingi mingi bazali kozela la Union européenne. Tolubela ki awa la fois passée que bato ya Senko délégation à Senko na SCC bakenda ko toquer les sous na porte à Union européenne. Bazo luka mbongo pour na observation électorale. Baza ko luka appui pour na ba auditer fichier électoral ya République démocratique du Congo. Boza ba politicien, boza voix ya société civile to bozali banane. Biso tozo kanisa ke ba démon o ba nyokola ki biso n'époque a Kabila ba kotika biso n'époque a Tshisekedi. Do ande a penda bazo résister bima ba lobito ko bimate. Bima ba lobito ko bimate. Donc Dieu o na senkona SCC eza kop ya bato. Bato ba yebi ke chaque fois que ba élection et ça le makana Congo toza obligé toza pe na ba revenu na biso si le pouvoir en place ne nous donne pas il y a des partenaires occidentaux qui nous donnent l'argent et la Béchole est fière d'en parler ba partenaire donc bino boza wana pour observation électorale boza ko luka ba partenaire ba tchela ka bino mbong pour bo observer derrière l'argent qu'il vous donne partenariat wana ba kosenga bino nini. Pourquoi vous ne pouvez pas sensibiliser les Congolais qui sont ici au civisme électoral et puis que les Congolais ba cotiser comme vous êtes dans l'église. Bocha ki tunga ya mabonza, ba fidèle na bino so bazo croire na bino. Bacha mabonza oyo ko futa ba observateur na bino ya ba élection. Mais vous allez chercher quoi à l'extérieur pour bocha ka biso tout le temps sous tutelle ya ba paya na processus électoral. On pensait que Mulimo oyo ya kokota ka bato bayaka kokota na makambo etali ba matière ya souveraineté ya mboka na biso ekosila. Mais catholique na SCC balingi kolemba ngo te. Je pense que ce communiqué là vous pouvez l'avoir. Mikoleza koya liboso makambo eza ebele. Makambo ezali koya ebele par rapport ya observation électorale ozomona wana bitumbeza ko changer forme. Lokola tobundisaki kadima kadima zakaka, tobundisaki nani kingandia zakaka, ils doivent changer de stratégie. Et pour terminer, vous suivez cette vidéo des renseignements militaires qui ont mis la main sur un réseau de criminels économiques opérant dans le sud Kivu, avec plus de 22 kilos d'or. Suivez d'abord cette vidéo et puis nous revenons. Nous avons également la liste des objets saisis lors de cette descente de terrain. Il s'agit de quatre coffres forts, non encore ouverts. Donc, il y en a un qui est déjà ici à Kinshasa et les trois autres arrivent aujourd'hui par la journée. Kistam Soukoutia, Miracle, Papa Salouche, oui. Le Miracle, oui. Soumi Sakachan. Nakanisi binomoko, boyoki binomoko, bumoni. Tango zoka ke mileleza na Rwanda, chaque jour qui passe, diplomatie à Félix, c'est que déjà au Kende Makasi, Congo pe. Autorité à l'État, ils ont kokozo nga muke muke. Bato bomoni batie bango maboko wana ba deviaka. Procédure normale, oui, c'est la kake muto, c'est la trafic ya ba minéré na Congo. Les minéré du Congo sortent par plusieurs voies. Ils ont ba miyibi oyo ba se légaliser na bango. Avion yaka ekiti nango na kati. Ya zamba ezui nango minéré eke nango bosi boyoka ngo mingi basango wana. Ils appellent à Bamiyibi Oyo, Bazoya na bango kozwa or, Bazozwa coltan, Nengi bomonaka ba musuba kangaka bango waka toujours na Nord Kivu. Bien ba gilet, ba komi on dirait na ba gilet par balle, joka ba coltan ezana kati.
ce réseau criminel arrêté, bazali côté ka or, baza ko sala commerce illicite, sans que l'État y ait. Na bambongo e belo bomo ndenge baza ko tanda bango devant ba ministre. Ce qui montre que notre État est en train de renaître. Kagame akoko sepela na makambo ya boité parce que za ko profiter na bango, Museveni akoko sepela boité parce que za ko profiter na bango. Or il faut bimaka kaka na ba voie illicite et kende ko enrichir ba mboka na bango. Voilà les raisons du rapprochement de Félix Tshisekedi na Arabie Saoudite, na Qatar. Au lieu or ya Congo et kende mabe tika et kende kana voie oyo. Kagame qui est allé négocier là-bas pour ateka ka or. Alors que or wangwe pa na yeza ko yeba na teso ke za la ka wapi. Boya awa or ko banda ko bimana ngwa na voie normale. Donc lorsque nos renseignements, nos services de sécurité, bazako sala musala ndenge longobani minere na biso sous-sol na biso ekozala piété ndenge toyebi basayela kango ngonga nyonso. Donc il est important que les Congolais contribuent aussi à la vigilance citoyenne pour na kolandela ka musala oyo. C'est ça l'état de droit. Yo vande lobite wana siko bazako sala ndenge ko bakisa nini yango ndenge ko bakisa budget yango ndenge ko sala ke ba centre de santé, ba école, même bisika ou espéra kite batonga yango. Nakomi nasuka émission na biso, merci na bino bo ba ebolanda ki émission oyo. Ya mutu ezaliete to continuer ko za la vigilant, to continuer ko changer ba mentalité na biso pote. Mboka na biso e ba ko kende liboso na pesi matondo na équipe technique ya ndeko mbi ya chako na Jekam télévision oyo e accompagner kinga po émission oyo komi la bino. Matondo mingi na potre Jacques Beana mama. Merci na bino nyonso oyo bozali ko contribuer na Jekam télévision pe émission de bou congolais pour être ko ba ko kende liboso. Laissez-nous vos commentaires, aimez, partagez cette émission de bou congolais. On reste debout. Tombola bendele fardese na mutema ngai na bino. Tomonani na émission prochaine.